Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve pour une vidéo assez particulière sur la chaîne YouTube en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu? Ça va bien, coucou tout le monde. Coucou tout le monde, comme d'habitude, son coucou tout le monde. Bah oui, attends, et oh, faut bien. Enfin bref, hier, voilà, je vous disais qu'on allait changer le décor, vous pouvez le voir, hein. Ça a changé. Vous allez... Bon, ouais, t'inquiète pas, vous allez le voir de plus près. Vous n'inquiétez pas, on va vous faire visiter un petit peu le nouveau setup et également le début de setup de Ludivine. Ça commence, forcément. Ça commence. Bon. Tout petit, mais ça commence. On va pas le cacher. Là, on est en train de tourner la vidéo. Il est 3h du mat. D'accord. Ouais, franchement, on est éclaté. La vérité, tu sais, quand tu montes les étagères, ouais, machin, tu retires les vitrines et tout, tu places les trucs. Non, ça me plaît pas. Tac, tac. Bref, t'as compris. Tu sais, souvent, tu te dis non, finalement, la figurine, elle va pas bien là, elle va bien là et tout. Ah ouais, non, franchement. On a passé des heures et des heures. Bah, presque plus de 4h30. 4h30 à bouger les trucs, ça, voilà. Tu vois. Voilà. Même derrière moi, regarde, il y en a encore. Enfin, bon, bref. Bref, vous allez voir ça, on a également changé l'overlay de Dragon Ball Legends, vous allez voir juste après également dans cette vidéo, mais aussi, attention. Et oui, qu'est-ce que c'est que ça ? YouTube, ça y est, on a enfin le fameux colis qui contient le trophée des 100 000 abonnés. Bravo monsieur, bravo. Un petit bravo, mais encore une fois, merci à vous, c'est eux. Bravo. Bah oui, c'est vrai, bravo à vous. Cœur sur vous, honnêtement, ouais, voilà, c'est, bah, sérieusement, c'est une fierté, en fait, c'est une fierté d'avoir commencé YouTube et de se dire qu'aujourd'hui, j'ai le trophée entre les mains, quoi, c'est ouf, ouais. C'est ouf. Non, encore, encore merci, à l'heure à laquelle on tourne la vidéo, on a même 105 000 abonnés, donc vraiment, merci beaucoup, vous contribuez à la chaîne, tous les jours, les pouces bleus, la cloche pour les notifications, vous êtes présent sur les lives, vous commentez, etc. Voilà, on peut discuter de tout dans le respect. Et ça, franchement, c'est énorme. La communauté qu'on a, elle est incroyable. Une communauté vraiment, au top. Incroyable. Eh ben, let's go. On va ouvrir ça. Vas-y, ouvre. Sésame, ouvre-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du coup, petite carte, un mot de YouTube. Alors, la carte, c'est... Congratulations! Oh là là! On you! Bref, t'as compris. On m'a dit félicitations pour les 100 000. Voilà, ça, ok, parce que bah, c'est en anglais, les amis. Hein. Et là, voilà, hop, je vous montre ça. C'est quoi? C'est un certificat? C'est quoi? Non, ouais, c'est comme un certificat, en gros. Que tu as eu les 100 000. T'as eu les 100 000, bravo. Ouais. Voilà. Moi, vous savez très bien, je suis pas trop bien. Je pense, oui, c'est un petit certificat. Hop, alors, du coup, imagine-toi, ils ont fait une faute sur mon nom. Imagine-toi, tu sais, voilà. Non, c'est bon, je viens de vérifier, c'est bon. Alors ça, franchement, incroyable, incroyable, mesdames et mesdames et messieurs. Attention. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Montre ton trophée. Sofiane le Geek for Pacing 100 000 subscribers, 100 000 abonnés. Voilà. T'as compris, quoi. Ah, franchement, il est beau. Il est beau de ouf, le trophée. Ouais, il est vraiment beau. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Non, mais clairement, je sais pas quoi vous dire. Merci. Merci beaucoup. C'est un rêve qui est réalisé. Mmh. Et jamais j'aurais pensé en me mettant sur YouTube, voilà, que j'aurais ce trophée chez moi. Moi, je le voyais chez les autres, tu vois, enfin chez les autres, à travers les vidéos, comme vous, en étant un abonné, en étant un viewer de d'autres YouTubeurs. Et du coup, bah, j'ai la main. C'est à toi. C'est un truc de fou. Franchement, incroyable. Et on a trouvé le petit emplacement juste ici. Ouais. On va le mettre là-dessus. Bah, du coup, on va pouvoir aller le mettre. Bah, vas-y. Voilà, le trophée a trouvé son emplacement. Franchement, magnifique. Ça fait super plaisir. Et comme je vous l'ai dit, du coup, on va faire le tour de mon nouveau setup. Alors, juste ici, j'ai fait exprès de laisser les cases vides, tout simplement parce que je vais recevoir dès demain l'intégrale du manga papier de Berserk. Pour l'instant, on a le coffret collector qui contient les 6 premiers tomes. Et du coup, ça fait plaisir. L'intégrale en Blu-ray, les 3 films que vous pouvez retrouver sur Netflix en coffret collector. Ici, voilà, des figurines Dragon Ball avec Badak, également Freezer. Juste en dessous, on va retrouver Nappa, Raditz,
Vegeta Super Vegeta, pardon, avec également celle deuxième forme. Ici, le Blu-ray de Fukatsu no F, accompagné des deux figurines Golden Freezer et Goku SSJ Blue. En dessous, Chainsaw Man, pour ceux qui connaissent ce manga, c'était lors d'une conférence de Kazé France. Voilà, j'avais eu l'occasion de récupérer tout cela. Ici, Konami France, pour le jeu PES 2020, m'avait envoyé un coffret collector qui ne se trouve même pas dans le commerce. Donc ça fait plaisir. À l'ancienne, les jeux PlayStation sur la PS1, avec également ISS 2. Ça, j'ai passé des heures là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de PES, voici tous les anciens jeux PES sur PS2, PS3, PS4. Incroyable. Le ballon dédicacé par Didier Drogba lui-même pendant la finale de la Coupe de la Ligue. C'était Konami qui m'avait invité justement à cette finale et j'avais fait un match que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne YouTube devant 50 000 personnes. On avait joué à PES, c'était incroyable. Et ensuite, on a également le concurrent, les jeux FIFA, tout simplement. Ensuite, par ici, eh bien, on a pas mal de petits goodies. Bon, déjà, l'Ozaru, il est incroyable, franchement. Le Golden Ozaru, vraiment incroyable. Ozaru SSJ de Dragon Ball GT pour ceux et celles qui ne connaissent pas, surtout pour la nouvelle génération. Et là, pas mal de petits goodies avec les fameuses recettes légendaires que Ludivine nous prépare. Et là, voilà, petite capsule, le détecteur. Voilà, un petit goodies que j'avais récupéré lors du championnat World Tour Finals de Dragon Ball FighterZ. Les boissons que j'ai dégustées avec vous en vidéo de Dragon Ball, c'était incroyable. Ici, on va retrouver Gogeta Super Saiyajin Froda, incroyable. Avec également, voilà, les DVD, les films, etc. Voilà, qu'on peut voir de temps à autre ensemble avec Dragon Ball GT, l'intégrale. Ici, ce sont des cartes qui ne sont même pas déballées, hein, des années 98 ou 99, 2000, un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, c'est super vieux. Donc attendez, hop, je vais me reculer un petit peu, que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà en gros le setup, à quoi il ressemble maintenant ce nouveau setup. En soi, c'est bien mieux. Je trouve que voilà, c'est plus aéré que ce que c'était, tout simplement. Donc voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Ici, vous allez retrouver du coup la collection de Dragon Ball Super. Gogeta Super Saiyajin Froda, ouais, vous savez très bien, j'aime bien les poils, j'aime bien les SSJ4 forcément. Et bah du coup, tiens, en veux-tu, en voilà, en revoici Goku SSJ4, Vegeta SSJ4, incroyable. T'en veux encore, tiens, encore voilà du SSJ4. Quand je vous dis, c'est ma best transfo préférée, bah la voici, hein. Et là, on va retrouver ce que vous m'avez offert, les amis, la Perfect Edition. Ça aussi, c'est, comment dire, c'est comme le trophée. Je peux pas l'oublier, ça. Vous voyez, ça, ce que vous voyez, c'était lors d'un live. Vous m'avez offert ça. C'est incroyable. Avec toutes les donations, tout ça, vous avez voulu me faire plaisir. Et du coup, vous m'avez offert la Perfect Edition. J'oublierai jamais. Vraiment, c'est incroyable. Et juste en bas, eh bien, du coup, j'ai les mangas quand j'étais gamin de Dragon Ball, tout simplement. Hein. Voilà, j'ai gardé hein, les 42 tomes, donc ça aussi, ça fait plaisir. Du coup, on a les 42 tomes ici, on a la Perfect Edition ici, on a les Dragon Ball Super ici, incroyable. Et là, voilà, le petit trophée des 100 000 que Nervous hein, m'avait fait. T'es au top, mon frérot, si tu regardes cette vidéo, franchement, t'es au top. Là, on va retrouver Goku SSJ, quand il se tape contre Freezer sur Namek. Ici, les jeux PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Wii, etc., PS4 et tout, de Dragon Ball. Voilà, à l'ancienne, hein, les Budokai 1, 2, 3, les Budokai Tenkaichi 1, 2, 3 également, Super Dragon Ball Z, il y avait des Shin Budokai et tout ça, franchement, voilà, c'était la belle époque, tout ça. Hein. Une époque, franchement, que je ne regrette pas, c'était mon enfance, et bah du coup, il y a une partie, justement, de mon enfance qui est là-dedans, et franchement, ça fait kiffer. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Ici, du coup, il y a un clic-clac, voilà, tout simplement. Au cas où, si, tu vois, quand là, je fais mes vidéos ici, tu vois, j'ai trois écrans, j'ai mon micro, ici, j'ai la caméra Logitech 4K Brio. Ici, on va retrouver un Elgato HD 60S, ça permet, en fait, tout simplement, de brancher ta console
qui est relié directement aussi, enfin l'Elgato est relié au PC, tu branches ta console dessus pour ensuite que tu puisses jouer et diffuser en live pour ceux et celles qui connaissent. Avec également, voilà, la PS5, qui est là, hein. Bon bah la PS5, voilà, hein. La bête, le PC qui me permet de faire tourner tout ça. Et puis ici on va retrouver une lumière Elgato K-Lite. Je trouve que voilà, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Et voilà un petit peu à quoi ressemble eh bien mon nouveau setup, hein. Et puis bah, les écrans, les trois écrans tout simplement. Donc ici, premier écran, vous mettez un petit peu votre logiciel soit de montage, soit logiciel de stream comme OBS, etc. Ici, vous pouvez faire apparaître voilà, le chat YouTube avec l'écran de votre jeu mobile, voilà, si vous faites du jeu mobile ou quoi. Et ici, moi, je m'en sers surtout pour les jeux consoles. Voilà, comme ça, ça me permet d'avoir trois écrans et au moins, vous êtes bien plus à l'aise ici. Bon, bah voilà, hein. Ma box internet, tout simplement. Donc, quand je vous dis que je joue à Dragon Ball Legends ici et quand ça lag alors que j'ai la fibre avec 1 giga de connexion, la box est juste ici. Quand ça lag, ça vient pas de moi, la vérité. Hein. La connexion, elle est au top. 2 de ping, 600 en upload, pff, c'est incroyable. Bon voilà, mais la PS5 aussi, hein. Franchement, ça fait pas mal quand même. Hein. Ça fait pas mal. Donc voilà un petit peu mon setup, à quoi il ressemble. Et là, du coup, on va aller sur le setup, le début de setup de Madame Ludivine, qui est à côté de moi. Hein. C'est le début. Hein. Je laissais parler Sofiane, voilà, qui expliquait. Bah, là, c'est le début. Hein. J'ai commencé. Voilà, elle a commencé un petit peu. Il manque des figurines, hein, quand même. Hein. Eh, pas mal de petits gizmos, là. Ah oui, celui-là, j'y tiens. C'est quoi ça comme manga, ça? C'est chez Killove, c'est un truc, c'est que c'est plus des shoujo, tout ça, toi t'aimes pas, toi c'est des histoires d'amour et tout. Ouais, non, ça c'est pas pour moi. Donc voilà, ça c'est le début du setup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ici c'est un poster Dragon Ball FighterZ dédicacé par les comédiens de Dragon Ball, tout simplement. Brigitte Lecordier, Eric Legrand, la voix de Vegeta. Ici, voilà, c'était la voix de Whis. Ici, c'était Patrick Borg, c'était la voix de Goku adulte. Voilà, il m'avait dédicacé tout ça, c'était lors de la Paris Games Week, il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là, voilà, donc le début voilà, de setup bon, bah, de Madame Luck Divine, avec, voilà, du coup, son bureau. Donc en là, voilà, hein. On lui a déjà pris là, le micro, du coup. Bon, bah ça, elle avait déjà son casque. Là, on lui a trouvé l'Avermedia, parce qu'à un moment donné, Avermedia, j'étais en partenariat avec eux, ils m'avaient envoyé... Et d'ailleurs, celui-là, il est largement mieux que mon Elgato HD60S, hein, celui-là, le Live Gamer Bolt. Il vaut cher, en plus, il me l'avait envoyé, tout ça. Donc encore merci à Avermedia pour ça, ça fait super plaisir. Et voilà, en gros, elle aura la place. Donc bien évidemment, on lui mettra plusieurs écrans, mettra oui, un PC. Début, hein. Là, c'est le début. Et moi, je serai juste ici, à côté. Bon, bah moi, bien évidemment, ça fait 4 ans maintenant que je fais ça. Oui, donc, elle, du coup, elle commence. Mais comme vous pouvez le voir, il y aura la place. Voilà, tout simplement, il y aura la place. On lui mettra 2, voire 3 écrans, tout ça. Et puis, voilà, on a fait le tour de mon nouveau setup. Et franchement... Et du mien aussi, du coup. Et du tien aussi, ouais. Bon, il est encore un petit peu vide, mais ça va se remplir. C'est un début. Petit et en à plus, petit. Du coup, oui, je voulais montrer, justement. Merci encore à Titi Boy, hein, pour le son Gohan. Incroyable. Voilà, merci Titi Boy, hein, c'est très gentil. Incroyable. Moi, elle est dans ma vitrine. La communauté est vraiment incroyable. Voilà, vous avez découvert le nouveau setup et je vous avais dit qu'il y avait également un nouvel overlay. Eh bien, c'est parti, let's go! Voici le nouvel overlay pour les lives Dragon Ball Legends, etc. Donc voilà, ça retrace un petit peu l'histoire de Dragon Ball. Voilà, on retrouve Piccolo face à Raditz avec Goku, avec son Makanko Sampo. Après, on va passer à l'arc Saiyan, voilà, avec Goku, Kaioken, etc. Bref, il y a quand même eu pas mal de taf également sur cet overlay. Là, voilà, vous retrouvez également l'écran Dragon Ball Legends comme d'habitude, hein. Ça ne changera pas. Mais voilà. Voilà un petit peu le changement avec ce nouveau trophée. Eh bien, ce nouveau trophée n'est pas venu tout seul. Il est venu avec tout ce changement. Et j'espère que ça vous fera kiffer. Comme d'habitude, les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo. Pouces bleus. Voilà, ça fait plaisir. Si vous êtes nouveau également sur la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications. Merci énormément. Encore
franchement, merci infiniment. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Vous faites tellement kiffer. Et moi, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Ciao tout le monde. Eh les gars, vous abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Tadam.